Je ne suis pas d'une famille chrétienne, et pourtant, très jeune, j'ai ressenti un appel intérieur à consacrer ma vie au Seigneur. Alors, comme j'étais dans un département où il n'y a pas de religieux, je pensais devenir prêtre diocésain. Et c'est la Providence qui a voulu que je rencontre un jeune lors d'un camp de jeunes qui voulait devenir religieux, religieux dominicain. Et quand je lui ai demandé de quoi il s'agit, il m'a dit une communauté consacrée à la parole de Dieu. Alors j'ai dit, ben justement, c'est ça que je cherche. Et c'est comme ça que j'ai répondu à cet appel.